Une ambiance incroyable autour du stade. Dans quelques secondes, l'Euro 2024 va officiellement débuter. Tout de suite, le coup d'envoi du match. Et on fait un beau métier. Nous voilà installés dans les tribunes du Volkspark Stadion. Ici la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cœur de l'événement. Au programme, première journée dans cet Euro 2024, la Roumanie contre l'Ukraine. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre de points bêtement. La composition de la Roumanie. La tactique du 4-5-1, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis et tu récupères le ballon. Regardons la composition pour l'Ukraine. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de l'art. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Soudakov. Oui, le bon geste défensif. Et attention à cette perte de balle proche du but. Oui, joli réflexe. Modric. Alors, il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. À l'occasion, peut-être ici. Le ballon est récupéré. L'arbitre laisse l'avantage. Konoplia. Ukraine avec le ballon pour tenter quelque chose. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Alors, il y a faute et donc le coup franc à suivre. Le centre au second poteau. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. C'est une récupération du ballon sur cette action. Attention à cette passe. Cette offensive n'ira pas plus loin. Le ballon est perdu. Ouais, pressé. C'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Attention à la frappe. Très bonne parade du gardien, oui.
Ouais, il s'est donné en retrait. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Ali Bek. Il a du soutien là pour attaquer. Et c'est bien défendu, sans faute. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Interception réussie, ballon récupéré. Stepanenko. Mudryk. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Oui, bonne récupération du ballon. Sanchu dans le dos de la défense. Et hors jeu, l'arbitre qui suit son assistant qui vient de lever son drapeau. Oui, l'appel était pas mal, mais la passe était arrivée un peu tard. Mudryk. Et une touche pour l'Ukraine. Il faut centrer là-dessus. Il y a du monde en soutien. L'arbitre laisse l'avantage. Et l'arbitre qui revient à la faute finalement. Attention à cette frappe. Mais c'est capté tranquillement au final. Zinchenko. Mudryk. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Et on lève la tête, là peut-être un centre. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Pour aller fixer dans l'axe. Quelle intervention absolument décisive. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Ah, c'est récupéré très haut ça. Tigankov. Zinchenko. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Ouais, facile, ça passe. Ouais, l'intervention vitale. Et c'est une remise en jeu à venir. Nikolenko. Il y a du soutien en attaque. Et le face-à-face à venir. Et le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Et le ballon sort en corner. Ballon vers la surface. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant.
Ah, y a du monde là, quelques possibilités. Mais ça frôle le montant. Elle pressing pour empêcher la relance. Stepanenko. Dovbik. L'action se poursuit. Stanciu. Montane. Ah, ça ne donnera rien du tout parce que c'est récupéré par la défense. On voit à l'écran un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Ali Bek. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Oh, le ballon là qui est repoussé. Ah, voilà, c'est un changement donc. Un corner qui est bien ajusté. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Voilà, vous le voyez, rappelons ce match, ce rendez-vous à vivre ensemble et en intégralité. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. C'est de l'avoir choisi par le coach pour repérer ce changement. Corner bien joué, bien frappé. Et voilà un ballon parfaitement capté. Et la possession change de camp. Très bonne progression, balle au pied. Et il prend sa chance. Et très bonne intervention du gardien. Un peu de coaching avec ce changement. Le corner. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Marine. Stepanenko récupère ce ballon. Pour Tigankov. Ah, super intervention défensive pour empêcher la frappe. Magnifique, quelle passe. Et ici l'occasion pour mener. Et c'est le but 1-0. Ce match s'illumine enfin. Ce but va transformer la fin de la rencontre. Voilà ce qu'on attendait. Un déclic, les filets qui tremblent, la fin va être enflammée. Ce but a une valeur pour réveiller une émotion positive. Ça donne une manifestation amplifiée de la passion. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste
très peu de temps pour égaliser. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ça joue, avantage. Tsigankov. Malinovski dans la défense adverse. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh oui, l'intervention! Bien joué le gardien! Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah, le corner bien tiré. Et c'est dégagé par la défense. Tsigankov. C'est un but dans les dernières secondes. Mais quelle folie avec cette égalisation au bout du suspense. Beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile. Mais c'est rendre les choses simples. C'est ça le vrai talent. Et score de parité avec ce but inscrit un partout. Marine. Ragusin. Et c'est donc une sortie de but. Ragusin. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal. Très bonne frappe, mais elle manque la cible. Et voilà, c'est un changement donc. Tsigankov. Dovbik. La touche là pour la Roumanie. Et nous jouerons donc 3 minutes en plus selon l'arbitre. Il y a du soutien là pour attaquer. Oh, il y a de l'espace, là il faut en profiter. Et quelle parade! Voilà un arrêt décisif qui permet à son équipe de tenir. La profondeur avait été trouvée, mais finalement c'est manqué. C'est donc terminé la fin de cette rencontre. Les deux équipes partagent les points. C'est une grosse déception, évidemment, parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses de leur part dans ce match. Mais cette égalisation tardive est venue tout gâcher. Et je dois avouer qu'on l'a pas beaucoup vu quand même briller dans cette partie. On est d'accord, c'est une performance assez moyenne de sa part. On n'a rien vu de bouleversant dans sa prestation. Ce n'est pas le pire match de sa carrière, mais ce n'est pas le meilleur non plus. C'est en accord avec le résultat final.